these forces to lay down their arms and to surrender unconditionally. Mr. Adut, the 13 Field Regiment, c'est un régiment d'artillerie de campagne qui a toujours appuyé notre régiment. À 20h30, avait tiré ses derniers coups. Mais c'est à 2h dans la nuit du 5 que le commandant de la brigade, Roberts, confirma la nouvelle que c'était bien fini. Mais les troupes, vous savez, ils restaient complètement impassibles. Et une sorte de regard incrédule. En d'autres termes, il ne pouvait pas croire. Évidemment, il savait que c'était vrai, mais c'est un point de vue, si vous voulez, psychologique, et avec surtout s'être battu depuis des mois. Ça a pris plusieurs jours avant que les hommes vraiment réalisent que c'était la fin. Moi, j'étais parti deux jours avant, avant le jour V, en permission à Londres. Alors, je suis arrivé à Londres le jour V. La foule était délirante. Moi, je ne reconnaissais pas les Britanniques, qui sont normalement pas très démonstratifs. Eh bien, c'était des accolades, des embrassades, des cris, etc. Enfin, c'était quelque chose, un spectacle extraordinaire. Alors, et évidemment, avec beaucoup de spontanéité. Et évidemment, le soir, voir Londres illuminé, ça, c'était quelque chose aussi, hein? Parce que depuis des années, ils étaient dans ce qu'on appelait le blackout, la noirceur complète. Alors c'était un phénomène. Se réhabiliter, c'était pas facile, ça. Hein? J'avais l'impression, en fait, parce que en revenant, tu sais que le Canada est en vacances, parce qu'évidemment, on ne pouvait pas voir aucun indice qu'ils avaient souffert. Quand on venait me parler de, vois-tu, qu'il y avait eu, on avait, ce qu'on avait fait d'un point de vue nourriture, moi je pense qu'au lieu de, j'avais droit à tant de livres de beurre, puis de alors qu'en Angleterre, ben, c'était des choux de Bruxelles, puis du mouton, et puis, alors, j'ai goûté une orange en venant. Les oranges, ça allait aux enfants, des fois. C'est peut-être pas un sentiment de jalousie, non, ou d'envie, mais un peu une réaction, pas d'amertume non plus, mais je ne sais quoi. Là. Dit, ben, ils sont en vacances. Hein, et, bon, bien. Hein.